à votre. Yo, c'est Sarx. Bon, eh bien, aujourd'hui, on va encore faire de l'évolution céleste. Ouais, je sais, ça commence un petit peu, mais j'attends célébration de pied ferme, vraiment, ça va arriver dans pas très longtemps. Mais du coup, eh ben, on va continuer sur l'évolution céleste, et puis après, ben, on panachera, voilà. Du coup, eh bien, on passe direct à l'opening. Et nous revoilà, eh bien, sur les boosters, comme d'habitude, voilà, toujours, là, ça commence à devenir un petit peu habituel, là, c'est vrai, et un petit peu monotone, j'aimerais bien ouvrir quelque chose, mais bah, je n'ouvre que ce que j'aime, hein, je suis assez, assez sélectif, du coup, eh bien, j'attends célébration, je l'attends avec impatience, parce que là, qu'est-ce que ça va être bien, célébration, là, on a vu les premiers openings en anglais, et je peux vous dire, c'est grave bien, d'ailleurs, si, eh bien, vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une... Bon, de l'autre côté, j'ai fait une petite vidéo news qui en parle justement, et on parle justement de VMAX Climax et un peu de S8, mais voilà, surtout célébration, ça. Voilà, donc si vous voulez un peu plus d'infos sur ce set, eh bien, vous pouvez y aller, voilà, voilà. Mais revenons à nos moutons, aujourd'hui, on fait un petit opening, voilà, donc le petit code, c'est pour vous, voilà, hein, tout simplement, et bon... On a eu quelques V, est-ce qu'on va continuer? Je pense, hein, ça fait quand même un petit peu d'opening qu'on fait, et on attend toujours d'avoir quelque chose, comme d'habitude, hein, voilà. Et je pense qu'on va avoir quelque chose, vraiment. Gants en caoutchouc, flow, et mélange multivitaminé, love, disque passe, rouge loup, pio, chloro, bulle, solo, chi, et on aura Elector de Galar, mais je l'avais déjà, malheureusement. C'est la version holo qui me manque. Bon, là j'ai pas de chance, hein, clairement. Du coup, est-ce qu'on va avoir quelque chose pour commencer? Et bien sûr que non. Oh, si blanc coton, voilà, quelque chose qu'on n'avait pas, blanc coton. Ça fait du bien, blanc coton. Oh là là. Bon, ça complète la collection, mais on va voir si on peut pas choper quelque chose d'autre. Allez, on continue. Petit code. Bon, est-ce qu'une alternate va arriver? Je le dis tout le temps, mais je l'attends. Je l'attends pied ferme, l'alternate, parce que là, bon, ça serait bien quand même une petite alternate, parce que vu le nombre de boosters que j'ai ouverts, ça serait cool quand même. Hein. Ça ferait avancer la collection, parce que là, vu le nombre de full art et autres qu'il y a, on n'est pas prêt de compléter quand même, hein, sachant qu'en plus il y a les autres à voir. Alors bon, voilà. Ouh, et ben voilà, petit frou sardine, donc une rare en reverse. Ça, c'est cool. Et est-ce qu'on va avoir quelque chose? Non, que l'Orior. Bon, la petite rare ici, et voilà. Et on poursuit, eh bien, notre quête à l'alternate, hein, quand même. Là, on commence à vouloir un peu plus du haut de gamme, voilà, on va se le cacher, parce que là, on a quand même quelques V, donc il nous reste quand même pas mal, mais on a pas mal de VMAX, on a eu deux full art, mais voilà, hein, globalement, c'est pas assez pour compléter, c'est clairement pas assez pour compléter, et il nous reste encore quelques petites Zunko à avoir, quelques Zunko, surtout en dresseur, voilà, en dresseur. Donc du coup, là, on commence à avoir fait pas mal d'opening. Bon, on va attendre un petit peu, on va voir le prochain booster Exagel. Donc là, c'est une commune ou une onco, je ne sais plus. C'est une commune. Une commune qu'on n'avait pas en reverse. Ça, c'est cool, ça, c'est classe. Et oui, Dryol. Alors, je crois que c'est la première fois que je suis content de voir un Dryol, mais... Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes dragon, donc une rare en dragon, bah, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Et donc, comme je le disais, eh bien, vu qu'on a fait quand même quelques openings, on va bientôt ouvrir les échanges. Donc, peut-être la semaine prochaine, allez savoir. Mais on commence à avoir quand même quelques trucs, surtout en reverse. Hein. On n'a pas encore de gros hits en double, malheureusement. Mais on va faire quelques échanges de reverse parce que là, je commence à avoir vraiment pas mal de reverse, vraiment pas mal. Et bah, c'est pas plaisant, hein, pas vous le cacher. Donc, Fureglon, du Elite Culbit, ok. Et on a Granivol, Tilton, mais non, Tilton. Tentacruel en reverse, et je crois qu'on l'a. Oula, peut-être que je dis une bêtise là, je ne sais plus. Mais en tout cas, on aura quand même pas mal de reverse. De reverse O, hein, de reverse de Pokémon O. Bon,
Oui, on va avoir un petit hit et ça va être boum ouh Pyrax. Alors cette ultra de Pyrax, je la trouve magnifique. C'est pas le cas de tout le monde, mais vraiment l'art il est sublime, sublime. Voilà, putain, vraiment classe. Je suis vraiment content là d'avoir ce hit quand même. Bon, on arrive enfin un petit peu à la moitié de l'opening et vous savez ce que ça veut dire. Oui, voilà, c'est le moment de mettre un petit like vraiment pour soutenir la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir vraiment. Et eh bien, si vous venez de me découvrir, voilà, petit abonnement là pour rien rater. Voilà, ça fait toujours plaisir pour vous, pour moi, pour tout le monde. Alors surtout, n'hésitez pas. Voilà. Et du coup, eh bien, on va continuer. Voilà, hein, avec ça et. Bon, est-ce qu'on peut avoir encore quelque chose? Normalement, il nous reste encore quelques V. On n'a pas encore eu de surprise, mais j'attends toujours une petite surprise. Petite surprise, ça fait toujours plaisir. Alors, Vigoroth, l'ombre, on a skippé le petit Pikachu, le pauvre, Grignote. Je veux des dragons, hein. Je veux des dragons, ça c'est clair et net. Non, Grenipio, voilà. Pont, Chio, Dra, Bi et Lion, Saut et Coteau Vol en reverse, voilà, et ben double. Hein. Bah non, c'est Blanc Coton, que dis-je, c'est Blanc Coton qu'on a eu, on n'a pas Coteau Vol en holo, voilà, on n'a pas Coteau Vol, mais là, voilà, ça fait plaisir. Est-ce que, oh, Crapustule, c'est pareil, celui-là, ouais, bien, on l'avait pas, donc bah, double hit pour la collection, c'est que du bon. Alors, bon, il nous reste quand même, oula, hop, par là, quelques boosters. Est-ce qu'on peut encore espérer d'avoir quelque chose, là, ça serait sympathique, allez, je cherche toujours, là, une petite alternate, ça ferait plaisir, allez, j'y crois encore, Rhinolove, l'ombre, glace, chanceuse, qu'on n'avait pas, voilà, clairement, ça fait partie des dernières dresseuses qu'on n'avait pas, voilà, carte dresseur, glace chanceuse, ça fait du bien, boum. Encore, donc Tentacool, Pi, Trouilladra, Bi, Love, Disc, Granny, Pio, et non Grignote, hein, et on a un guerrier aigle. Je ne sais pas si on l'a. Voilà, je vais être sincère, je ne sais plus. Je ne pense pas, mais bon, voilà. Et encore un dragon en rare. Oui, allez. Oui, Trioxydre, et ben dis donc, on n'a pas des gros hits, mais on a que du nouveau pour la collection, et ça c'est cool. Allez, on avance un peu plus vers la fin de cet opening, et on rêve encore d'avoir des étoiles plein les yeux avec une belle alternate, forcément, allez, petite énergie plante, un Batrachné, je sais plus si on l'a eu celui-là, bonne question, Batrachné, je vais dire psychoquac, aquaquac, j'ai du mal aujourd'hui, aquaquac, mélange multivitaminé, Zorua, Exagène, le chlorobule, grelasson, soporifique, et on a une valise de secours en reverse, voilà, une qu'on n'en avait pas, hein, clairement, et on va terminer avec un Milobelus, et je ne sais même pas si on l'avait, je crois qu'on l'avait, ouais, je crois qu'on l'avait, sans trop me tromper. Et on est arrivé au dernier booster. Voilà, le dernier booster avec un petit art de Duralugon. Est-ce que celui-ci va nous porter chance? Bonne question. Je l'espère. Hein. Duralugon, c'est un peu mon petit Pokémon fétiche pour ce set. Donc, d'ailleurs, on l'a toujours pas vu en V. Un petit peu dommage, voilà, mais bon, ça va arriver. D'ailleurs, ni de Rayquaza, pas de Duraligon, pas de Rayquaza. Mais où sont passées les stars de ce set, quand même? Dis donc. Alors, petite énergie, feu, casque intégral, Hypno-Mad, j'ai peur de me tromper, maintenant je fais attention, Vigo, Rot, Culbuto, Ké, Love, Disc, oula, je vais y arriver, Krabi, Coq, Hippopotas, voilà, effectivement, Zorua, je crois qu'on l'a, bon, voilà, hein, encore une reverse qu'on a, hein, heureusement qu'il n'y en a que 132, hein, comme je dis, hein, heureusement qu'il n'y en a que 132 à avoir, hein, clairement, pour avoir des doubles, là, incroyable, mais on terminera avec rien et on terminera avec un Banchitrouille. Voilà, bon, c'était pas terrible hein, quand même. Du coup, eh bien, on va passer sur la collection et il y a quelques cartes à rentrer quand même. Et nous revoilà sur la collection et
Bon, bah, on a eu quelques holos que, bon, je vais pas forcément montrer, bon, je les montrerai, mais pas comme je le fais avec les ultras d'habitude. Et voilà, bah, par exemple, on a eu cette petite reverse là de Cotovol, vraiment, vraiment très très belle, je trouve. Voilà, et bon, quelques reverse, voilà, c'est en quelques reverse. Allez, il nous reste quand même Crabarak en Unco Pokémon, je m'étais trompé la dernière fois. Et du coup, eh bien, on va passer sur le seul hit, malheureusement, le seul hit en ultra rare en tout cas de la collection qui est Pyrax. J'adore cette illustration de Pyrax, je la trouve magnifique. Voilà, donc bon, c'est pas forcément l'avis de tout le monde, mais moi j'adore. Je la trouve magnifique. Et eh bien, elle rejoindra ici sur le coin de la page. Hop, la voilà. Et du coup, bon, voilà, donc je m'étais trompé. Tentacruel, on ne l'avait pas. Hein, voilà, tout simplement. Ah, cette page est quand même vachement bien fournie. Le petit Exagèle, le petit Froussardine, voilà. Bon. On a plutôt bien avancé, hein. C'est pas encore totalement terminé, mais on avance. Malheureusement, le petit Élector de Galar, voilà, hein, qui, bah, y a pas Lolo, c'est un peu dommage, voilà. Bon, petit, c'est Batrachnay, je crois, Batrachnay, c'est ça. Voilà, le Zoruya qu'on avait déjà, les dragons toujours aussi absents, avec quand même un petit dragon quand même, oui c'est, non c'est Trioxydre, Trioxydre, pardon, Trioxydre pour un petit peu remplir le tout, mais bon, là ça serait bien de pouvoir compléter cette page vu qu'elle y est presque, il ne reste plus que deux rivers, ça serait vraiment cool. Puis bon bah voilà, les dresseurs c'est pareil, ça commence... Je crois, oula, les cartes se font la malle, sans trop me tromper, qu'on a rempli toutes les zones code dresseurs. Oui, je crois bien. Effectivement, on a toutes les zones code dresseurs. C'est. Ah non. Il nous manque la galerie marchande normale. Ce qui n'est pas reverse. Voilà. Bon bah voilà, du coup c'était globalement ce qu'il y avait dans la collection. Ça n'a pas beaucoup changé. On a juste une petite ultra, mais c'est déjà ça. Voilà. Et du coup, bah, eh bien, on passe à l'outro. Et c'est la fin de l'opening de cette semaine. Voilà, donc, un opening, bah, assez faible, enfin, assez pauvre en ultra, mais quand même avec quelques cartes qui, eh bien, rentrent quand même dans la collection, notamment des holos et des reverse, donc, bah, ça fait toujours plaisir, voilà, ça fait toujours plaisir. Du coup, eh bien, on se retrouve, eh bien, encore une fois, la semaine prochaine pour toujours de l'évolution céleste, tant que Célébration ne sera pas sortie et surtout entre mes mains. Du coup, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Tirez de bonnes cartes. Tchuss!